Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une mise à jour de Voice Access. Voice Access est une application développée par Google et elle vous permet de gérer l'intégralité de votre smartphone sous Android par commande vocale. Vous avez des possibilités extrêmes, votre téléphone, vous ne le touchez plus. Vous allez donc afficher des infobulles, vous allez pouvoir avoir affaire à des notifications. Donc tout simplement, si vous voulez avoir la dernière version Voice Access de chez Google, vous allez dans le Play Store et vous marquez Voice Access comme ici sur votre écran. On va donc voir ensemble comment mettre le bouton d'activation sur notre écran d'accueil. On va voir aussi comment fonctionne ce Voice Access, quelles possibilités il vous donne. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité, des tutos et des présentations mobiles, iOS, Android, macOS et Windows. C'est parti les amis pour la suite de cette vidéo. Ok, donc quand vous avez téléchargé Voice Access, que va vous faire Voice Access ? Télécharger au moins 1 million de fois. Déjà, comme vous venez de l'entendre, cette application a déjà été téléchargé plus de 1 million de fois, ce qui est assez énorme. À propos de l'appli. Alors, on va écouter à propos de l'appli, que peut faire cette application pour vous. Si vous avez besoin de gérer votre smartphone par la commande vocale, c'est vraiment l'appli qu'il vous faut. Permet d'utiliser un appareil mobile à l'aide de commandes vocales. Voice Access est un service d'accessibilité conçu pour aider les utilisateurs qui ont du mal à se servir d'un écran tactile en raison d'une paralysie, de tremblement ou encore d'une blessure. Il leur permet d'utiliser leur appareil en droit avec des commandes vocales. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser ce service, consultez l'assistance Voice Access. Voice Access propose des commandes vocales dans les 3 catégories suivantes. Fonctionnalités de base et navigation sur n'importe quel écran, par exemple, revenir en arrière, aller à l'accueil. Gestes pour interagir avec des éléments de l'écran actuel, par exemple, appuyer sur suivant, faire défiler vers le bas, édition et dictée de texte, par exemple, écrire bonjour, remplacer café par thé. Vous pouvez accéder aux rubriques d'aide sur votre écran en disant que dire dans Voice Access. Vous pouvez également accéder à la liste complète des commandes vocales dans les paramètres Voice Access. Sous-afficher toutes les commandes. Étape pour activer Voice Access. 1. Accéder à paramètres. Accessibilité 2. Sélectionnez Voice Access 3. Activez l'option 4. Suivez le tutoriel pour apprendre à utiliser Voice Access. Ce tutoriel présente les commandes vocales les plus courantes. Démarrez Voice Access. Cliquez, faire défiler la page, édition de texte basique et accéder au menu que dire. Notez que pour utiliser ce service sans les mains, vous devez activer OK Google, accessible depuis n'importe quel écran. Dites ensuite OK Google dès que vous souhaitez utiliser les commandes vocales Voice Access. Vous devrez peut-être mettre à jour l'appli Google pour lancer Voice Access avec OK Google. Si vous choisissez de ne pas activer OK Google sur tous les écrans, ou si cette fonctionnalité n'est pas disponible sur votre appareil, un bouton bleu intitulé Voice Access s'affiche à l'écran. Appuyez dessus pour utiliser des commandes vocales. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur ce bouton et le faire glisser à un autre endroit de l'écran. Pour arrêter Voice Access, il suffit de dire désactiver l'écoute. Pour le désactiver complètement, accédez à Paramètres, Accessibilité, Voice Access et désactivez l'option. Voice Access utilise le micro pour vous permettre d'énoncer des commandes vocales. Téléphone, Voice Access observe l'état du téléphone afin de fonctionner en cas d'appel. Accessibilité, cette application étant un service d'accessibilité, elle peut observer vos actions, récupérer le contenu des fenêtres et voir le texte que vous saisissez. Voilà, donc comme vous venez de l'entendre, Voice Access est un service d'accessibilité pour tout type de personnes en situation de handicap, pour les seniors en situation de tremblement, pour les personnes qui ont du mal avec les écrans tactiles, pour les personnes ayant des problèmes des membres supérieurs, pour les personnes malvoyantes. L'accessibilité est au cœur de Vision Hightech. Voilà pourquoi je vous présente cette mise à jour de Voice Access. Donc, une fois que on a lu tout ceci, on va revenir sur notre écran d'accueil. Ici, je vous montre sur notre écran d'accueil, j'ai installé le bouton Activer Voice Access. Ici, j'ai donc installé sur mon écran d'accueil le bouton Voice Access. Comment va-t-on faire pour
installer ce bouton. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour ceci, vous allez aller dans paramètres, vous allez aller dans accessibilité et vous allez aller sur ouvrir les paramètres, lampe accessibilité, voice access, affichage direct, service installé, talkback edit service. Double appui pour activer. Une fois que vous êtes entré dans accessibilité, vous allez sur service installé. On le valide. On se dirige ensuite sur voice access activé. Voice access, double on rentre. Appui pour voice access, affichage des éléments à 2 sur 2. Bien sûr, on active Voice Access et on va se diriger dans les paramètres Voice Access. Paramètres, dans la liste, deux éléments. On rentre. Et lorsque vous êtes entré dans Voice Access et lorsque vous êtes entré dans les paramètres de Voice Access, vous avez donc une case à cocher qui s'appelle bouton d'activation, afficher un bouton pour démarrer Voice Access depuis n'importe quel écran, activer, interrupteur. Double appui pour activer. Une fois que vous avez activé ce bouton, apparaîtra ce petit bouton bleu n'importe où où vous vous trouvez sur votre smartphone. Ça, c'est déjà génial. Écran d'accueil menu. Ce bouton, vous pouvez le mettre où vous voulez, à droite, à gauche, en haut, en bas, là où vous désirez, là où vous êtes le plus à l'aise. Alors, soit vous dites le mot-clé que tout le monde connaît, OK, la suite, soit vous utilisez ce bouton qui peut être plus judicieux à utiliser lorsque vous avez des Google Assistant à la maison. Ici, si on appuie sur ce bouton, on entend bien que on déclenche le Voice Access. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec Voice Access? On peut vraiment tout faire. Sans toucher au téléphone, on peut vraiment utiliser notre téléphone partout. Ici, je vais poser mon téléphone sur un socle. On va déclencher Voice Access. Et on va voir tout ce que l'on peut faire avec. Alors, vous pouvez aussi, lorsque vous allez dans Voice Access, participer au programme bêta. Donc, vous pouvez devenir bêta testeur, si vous le désirez, et tester toutes les nouveautés avant tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'application, dans le Play Store, ouvrir l'application et vous mettre en tant que bêta testeur, ce qui fera remonter les informations et les besoins. Allez, on va déclencher Voice Access. Notification. Alors donc, en disant notification, j'ai ouvert ma zone de notification. Et ensuite, on peut voir sur l'écran qu'apparaissent des petites infobulles avec des chiffres où à l'intérieur se trouvent des chiffres. Par exemple, ici, 30. En disant le nombre 30, j'ai simulé le clic sur le bouton effacer. Ça, c'est franchement génial puisque là, sans rien toucher à mon téléphone, j'ai effacé toutes les notifications par commande vocale. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle action? Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite et voir tout ce qu'on peut faire. À droite. À droite. À droite. Écran d'accueil, page 4 sur 8. Écran d'accueil. Écran d'accueil, page 1 sur 8, page par défaut. Google. Dossier ouvert, page 1 sur 1. Accueil. Écran d'accueil, page 1 sur 8, page par défaut. En aucun cas, je touche le smartphone. Tout passe par la commande vocale, les amis. YouTube. De nouveau connecté à Internet. Accueil. Molotov. Ici, on peut s'apercevoir que l'on peut lancer n'importe quelle application via la reconnaissance vocale, via les commandes vocales. Et franchement, c'est top, puisque par exemple, on va lancer une émission quelconque là, juste en indiquant les chiffres que je désire. 22. Je vais donc pouvoir lui demander de lancer la lecture simplement en disant le chiffre. 12. 12. Affichage paysage. Et voilà, donc je peux lancer mon film sans problème. Accueil.
affichage portrait. On peut aussi lancer bien sûr des vidéos YouTube. Dossier ouvert, page 1 sur 1. YouTube. 2. Français, FR, clavier affichage des éléments R10 sur 50. Vision high-tech. Neuf. Ici, on affiche sans problème la chaîne Vision High-Tech. 7. Présenter le Istedi Mobile Plus ce. Accueil. Comme vous avez pu entendre et voir, c'est vraiment extraordinaire, c'est rapide, c'est efficace, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Par exemple ici, note 10, internet, ok Google, défiler vers le bas. Défiler vers le haut. Défiler vers le haut. On peut aussi défiler les pages du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ça, c'est vraiment top aussi. Accueil. Play Store. Accueil. Téléphone. Voilà donc tout ce qu'on peut faire avec cette nouvelle version Voice Access. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas donc à la commenter, à vous abonner, à liker cette vidéo pour continuer à m'encourager. Et on se dit à très vite les amis pour une prochaine vidéo en toute accessibilité. Merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, salut.